l'opération Ganymède, le projet le plus ambitieux et le plus coûteux de l'histoire de l'aérospatiale, peut être officiellement considéré comme un échec. Aucun contact ne pouvait plus être établi avec les trois vaisseaux spatiaux et leur équipage de 7 hommes, après avoir tenté une manœuvre de bascule de trajectoire derrière Jupiter, laquelle manœuvre n'a pas réussi. Aussi bien les Américains de la NASA que les stations aéronautiques du RNS ont abandonné toutes les recherches depuis 6 mois, date à laquelle nous avons cessé de recevoir le moindre signe de vie. Le retour des 21 astronautes, qui devaient effectuer un atterrissage sur le satellite de Jupiter, Ganymède, était prévu, selon les plans établis, dans 2 ans et demi. L'Assemblée plénière des Nations Unies, à New York, sous le patronage de laquelle se déroulait cette mission pour la paix, l'amitié et la compréhension entre les peuples, s'est levée au début de sa séance d'aujourd'hui pour observer une minute de silence à la mémoire des pionniers de l'espace disparus avant d'aborder son ordre du jour. Le Congrès des États-Unis a bloqué tout moyen destiné à la recherche spatiale jusqu'à plus ample information. Fin de combustion, correction. Ok. Orbita est atteinte. Détends-toi. Ton pouls bat à plus de 120. Le sien est à peine moins rapide. Tu veux fermer ta gueule? Sommes en position de retour. Orbite circulaire synchrone sur Afrique centrale. Éjectez le réacteur dans 180 secondes. Préparez l'amarrage dans les aires d'atterrissage. Où en est la permutation de l'ensemble des systèmes labo? Terminé? Labo A1. Tous les utilisateurs d'énergie du biosystème parés pour commutation du réacteur au réseau de bord. Terminé. Ok. Go pour le compte à rebours sur B. Compte à rebours pour commutation, commencez. Encore aucun écho. Aucun écho? Non. Ni station spatiale, ni orbiteur en vue. Et là, nous a sur l'écran, l'orbiteur arrive. Pas besoin de contact radio ni de signalisation. On est à l'heure, ils seront à l'heure. Nous avons 42 heures d'avance. Après 4 ans et demi de voyage, mon vieux, nous, on est là. 9, 8... Go pour commutation d'alimentation en énergie. 5, 4, 3, 2, 1, 0, inversé. Alimentation de bord passée sur réseau batterie. Nouveau compte à rebours pour éjection de réacteur commencé sur B. Terminé. S'il tournait le vaisseau de moins de 90 degrés ou de moins de 100... À l'heure actuelle, c'est le compte à rebours. Dans 20 minutes, nous nous posons. C'est là qu'aboutissent les manœuvres d'orientation. Même celles qui sont destinées au coup d'œil. Ah, tout le monde, éjectez réacteur dans 60 secondes. Terminé. Mac, attends pour éjecter le réacteur. Les fonctions sont au rouge? Toutes les fonctions sont OK, mais l'orbiteur n'est pas en vue. Nous avons atteint l'orbite. L'orbiteur va arriver. Aucun éco-radar, ni aucun de la station spatiale L1. Alors, faut-moi cet ustensile de la poubelle et tout ce tas de ferraille avec. Nous sommes en position et nous suivons les plans établis. Je veux bien, si les autres les suivent aussi pour nous récupérer au passage. Avec 42 heures et 7 minutes d'avance. C'est prévu dans les calculs, mais il faut qu'ils se dépêchent avec leur demi-volant. Mac, stop le compte à rebours. Le réacteur rayonne. Il nous est prescrit de nous en séparer dès que nous arrivons sur orbite, avant les manœuvres d'atterrissage. Nous n'avons aucun contact depuis 900 jours. Mais depuis 900 jours, ils nous repèrent par radio, ils savent qu'on arrive. Ils ne repèrent rien du tout, notre signalisation est morte. NORAD localise des objets gros comme mon pouce à la hauteur où nous sommes. Ils ne localisent que ce qu'ils cherchent. Des millions de gens sont rivés en ce moment en face de leur poste en train de nous atteindre. Mais si on éjecte le réacteur, nous n'aurons plus d'énergie. Nous n'en avons plus besoin, nous sommes dans le plan. Mais l'orbiteur, on l'attend? Oublie ta ferraille de radar. Le compte à rebours est en marche. Alors stoppe-le! L'automatique reste sur go. Larguez le bras d'amarrage. Bras d'amarrage largué. Défaire raccordement. Raccordement défait. Fermez les soupapes de refroidissement. Soupape fermée. Système d'éjection? Mise à feu amorcée. Ça reste sur go. 5, 4, 3, 2, 1. Éjecté.
réacteur éjecté, tous les systèmes sont OK. L'énergie est alimentée par le réseau de batterie. Parfait. Un écho. Écho sur le radar. Normal. C'est tout simplement un autre réacteur. Oui, logique. Un écho et rien d'autre. Donc l'appareil marche bien. Ça y est, on a largué le fourneau. Il s'en va tout seul là-bas. Il va s'ennuyer sans nous. Ils le mettront à l'abri quand le rayonnement aura disparu. Alors on continue chez Cup pour la toute dernière étape. Nous amarrons dans 12 minutes. Où en est le nouveau compte à rebours ? Labo 1, ici Don, allô Mac. J'ai un problème très personnel et je crois que le moment est venu. Don, est-ce que tu es devenu fou ? Manœuvre de rendez-vous, phase d'amarrage. Allons, Steve, tu coupes et pique-lui le micro. Allô, Don. Je suis bien content de te voir, mais pourquoi es-tu à la console ? Tu es gymnastique jusqu'à 14h GMT. Mac, ne sois pas stupide, comment peut-on faire de la gym dans une telle situation ? Les tours de garde de Ganymède sont bons jusqu'à la dernière minute. Quand leur Mac, nous aura avalé. Au-dessous de nous, il y a la terre. Quand les sas seront étanches, je remettrai le commandement responsable des pistes. Mais jusqu'à ce moment-là... 14h, juste, ça sera dans 6 minutes. On applique le plan prévu pour Ganymède 2. Et tu voudrais que je m'entraîne en ce moment ? Il y a déjà eu assez de catastrophes, je ne veux aucune panne dans les dernières secondes. Terminé. Allô, Mac ? Je n'ai pas encore terminé. Mac, au-dessous, c'est la terre. Nous sommes de retour. Mac, après le plus long voyage que les hommes aient jamais entrepris. Oui, je sais, c'est exact. Nous avons parcouru 1,5 milliard de kilomètres, je suis d'accord. Seulement, il faudrait tout de même descendre les derniers 30 000 sains et saufs. Le dernier pas est peut-être le plus dangereux parce que nous, idiots, nous y croyons déjà. Ok ? Vous avez compris ? Eden, en ce qui concerne la gym, tu auras, comme chacun d'entre nous, besoin de toutes tes forces. Quand dans 2 heures tu vas te retrouver sur cette sacrée vieille terre avec tes 80 kilos sur les jambes, terminé. À la suite de cette allocution la plus longue de notre commandant depuis 4 ans, peut-on espérer que Don va fermer sa gueule au sujet des changements d'orientation et des beaux points de vue ? Labo 1, ici c'est encore Don. Il devient ma boule, complètement ma boule. On n'a pas de temps à perdre avec tes conneries. Mac, je suggère une chose. Si vous tournez le vaisseau de moins de 90 à 100 degrés sur son axe, alors on pourrait l'apercevoir. Terminé. Mais apercevoir quoi ? Terminé. La Terre. Nous sommes en dehors de la ligne d'approche. Nous avons déjà pivoté sur l'orbite. Maintenant, elle est exactement en dessous de nous. Seulement, elle est dans l'angle mort. Ni dans le viseur du spectromètre, ni dans le hublot d'observation, on ne peut l'apercevoir. Fais-nous au moins ce plaisir. Terminé. Il n'a plus toutes ses facultés. Dire qu'il a fait 2 ans d'entraînement psychologique. Enfin. Don, tu deviens trop sentimental. Je ne toucherai plus à la commande de contrôle d'orientation avant la manœuvre d'amarrage. Seulement en cas d'urgence. Et ce n'est pas un cas d'urgence. Nous avons d'autres soucis, terminés. Mais quel genre de soucis, Mac ? Terminé. Tête de mule. Notre orbiteur n'est toujours pas en vue, pas plus que cette putain de Velin. Chaque manœuvre nous coûte de l'énergie et celle-ci est limitée. Le réacteur n'est plus là. Monte jusqu'à la capsule. Là, tu pourras voir notre mère la Terre sur le récepteur de contrôle, dans le réticule. L'Europe est dans les nuages. Journée radieuse sur l'ensemble de l'Afrique et sur l'Asie, il fait déjà nuit. Terminé. Non, je ne monte pas chez Gymnastique. Je ne veux pas la voir électroniquement sur un écran, mais de mes propres yeux. Terminé. C'est exactement la même chose. Terminé. Romantique. Et depuis 4 ans, on vole avec un type comme ça, cul contre cul. D'accord, Mac, mais si ça crée des difficultés, laisse tomber. J'estime qu'après 1585 jours, j'ai bien le droit d'être un peu sentimental. Terminé. J'en ai les larmes aux yeux. Et pas de nouvelles d'orbiteur ni de l'un ? Aucun écho, aucun signal. Si nous tournons le vaisseau, l'antenne de fortune que nous avons bricolée sera pointée directement vers la Terre. Un labo. Nous pivotons plus 154 degrés. Accrochez-vous au hublot du réfracteur et régalez-vous du coup d'œil. Terminé. Contrôle d'orientation. Mise en marche. Relève les chiffres ici sur le calculateur et dirige la manœuvre. Merci, Mac. Tu es vraiment très chouette. Terminé. Ne jamais se laisser intimider, Doug. Jamais.
vitesse au pivote. La voilà qui apparaît. Là, la lueur bleue. Comme d'habitude, tu n'en rates jamais une. Est-ce qu'on est en marée? Pas encore. L'orbiteur n'est toujours pas là. Quant à la station est là, aucune nouvelle. Nous ne bougeons plus. Quel silence! On n'entend plus rien. Les systèmes? Tous les appareils sont sur zéro. Il faut économiser l'énergie. Il nous en reste à peine pour quelques heures. Allez, t'en fais pas, Steve. Hein? Viens donc. Venez tirer l'affaire. Oui. Il faut monter sur le toit pour régler l'antenne et les panneaux solaires coincés comme réserve d'énergie silencieuse. Les cellules solaires, ça ne donne pourtant rien? Oh, pour les derniers adieux, ça sera suffisant. Labo A1, donnez tout à Fermi. Je raccorde la biotélémétrie sur vous dans la capsule. Vous pourrez contrôler sa révolution. Nous montons à l'antenne. Terminé. Message bien compris, terminé. Ici Eva à 1. Antenne en position. Panneau solaire basculé, terminé. 1 à Eva, message bien compris. Commençons appel au secours. Ganymède 2 appelle Capcom. Ganymède 2 appelle Capcom. Position conforme au plan prévu. Orbite terrestre GSS sur Afrique centrale. Altitude. Ganymède 2 appelle la base de Kalinin. Ganymède 2 appelle la base de Kalinin. Position conforme au plan. Orbite terrestre GSS sur Afrique centrale. Réserve d'énergie et d'oxygène 20 heures. Aucun contact avec elle. Énergie et réserve d'oxygène pour une vingtaine d'heures encore. Répondez, s'il vous plaît. Répondez, s'il vous plaît. Terminé. Rien. Ils doivent pourtant nous entendre. Je suis sûr que non. L'émetteur de secours fonctionne, donc les signaux sortent. S'ils ouvrent leurs oreilles. Ils ne nous entendent pas, ils ne nous voient pas depuis 900 jours. Notre position n'a jamais été meilleure. Capcom et Cap Kennedy à l'horizon ouest, Kalinin et Juratam à la diagonale en dessous. Alors si maintenant, à cette distance, ils ne... Ah, Eva, Eva, à vous parler, terminé. Équipage Eva, ici Doug, terminé. Prendons le relèvement sur l'horizon ouest. Inclinaison longitudinale d'environ 10 à 12 degrés, terminé.
Bien compris, inclinons de 10 à 12 degrés, relèvement sur horizon ouest. Terminé. Ce n'est plus qu'une épave. Ce n'est plus qu'une saloperie d'épave. Oui, mais nous, on a tenu le coup. Jusqu'ici, Os. Jusqu'ici. Ah, je ne m'attendais pas à ce que mon président ou ton premier secrétaire du parti monte en personne à cette altitude pour nous accueillir, mais enfin, qu'aucun de ces salauds ne se montre. Peut-être que maintenant, vous aussi, vous avez un premier secrétaire du parti. Ou qu'au contraire, c'est vous qui avez un président démocrate. Quel effet ça ferait? Après 4 ans, 4 mois et 3 jours, tout est possible, mon cher camarade Osokin. Oui, je sais, cher camarade commandant. On essaie encore une fois. Quoi, les appels? Oui. À quoi bon, puisqu'ils ne nous entendent pas? Ok. Nous aurions pu faire l'économie de tout notre baratin pendant 900 jours, 4 fois par jour. Coordonnées de trajectoire, analyse de vol, tous les paramètres critiques. Sourd et muet. Aucun signal non plus pour le radar au sol. Nous savions bien sûr que les magnétosphères de Jupiter... Oui, oui, nous en avions le pressentiment, mais enfin... Maintenant, on a l'impression que... Continue. Attends. On est en avance. Et s'ils mettaient en marche nos signaux? Réserve d'oxygène. Bon Dieu, fais un effort. Tout juste 21h. Pour 5 hommes. Et pour nous deux, plus du double de temps. Ils auraient tout de même pu être à l'heure avec leur orbiteur. Non, 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 pas comme ça, mon vieux. Revenez tous dans la capsule, revenez tous dans la capsule. Fermez les sas, verrouillez le ravitaillement et le labo. Terminé. Seule chance, retour en catastrophe. On programme la capsule sur récupération de chargement et on reste à bord. Mac, c'est un suicide. C'est E13-600 le programme prévu pour le chargement. Pour récupération de la capsule. Le transport du matériel sans équipage. Nous nous éjecterons avec. Nos équipements n'ont jamais été étudiés pour ça. Les équipements, on s'en fout. Oui, mais nous, on n'a pas été conçus pour ça. Mais nos pères ont survécu à des inconvénients de même ordre. D'accord, mais avec une autre technique. Quand on sera en bas en mer, personne ne nous trouvera. Alors restons là-haut et attendons. Combien de temps? 21 heures et ensuite l'éternité. Ok. Ok. Préparez éjection de la capsule. Os, enregistrement de position, d'angle de trajectoire et de tracé de vol. Les échantillons. Bouclez vos ceintures. Les échantillons de Ganymède. Tout restera en place. Les notes, les produits du sol, les souvenirs, j'ai dit. Mais Max, ces éprouvettes sont la preuve d'une vie. Elles resteront où elles sont? Ta ceinture. La pharmacie de bord, il faut la prendre.
Contrôle d'orientation et guidage de trajectoire. Les deux sur go. Blocage des commandes de correction. Compte à rebours commencé. Ça s'étanche. Ça s'étanche. Ventiler les sas. En cours de ventilation. Sas ventilé. Pression interne stabilisée. Énoncé paramètres de trajectoire et cible. Navigation OK. Tous les systèmes et sous-systèmes sur go. Verrouillage des hublots OK. Toutes les soupapes de la capsule au vaisseau fermées. Toutes les soupapes fermées. Coupez liaison par câble. Toute liaison par câble coupée. Compte à rebours. Reste sur go. Commencement du sens unique. On descend. Contrôle du système de survie. Oxygène, pression, refroidissement, tous position go. Cinq fois go. On va tous dégringoler. Propulseur capsule. Propulseur capsule sur go. Fin de combustion après 35 secondes. Phase d'éjection pour séparation de la capsule. Phase amorcée, tous les systèmes sont ouverts. OK. Dernier stade d'un long voyage. Mettez vos casques et priez. Du voyage n'est pas en vue. Mais tu dis des conneries. Qu'est-ce qui peut nous arriver? On est en bas. Enlevez vos équipements. Mettez des gilets de sauvetage. Et éjectez le canot. L'eau étanche et verrouillée. Je risquais le tapis rouge. Et le vaisseau amiral. Et où était l'orbiteur? Je parie que la Jeep ne sera pas là non plus. C'est pourtant pas un problème de nous trouver. Nous sommes dans le programme E13600. Vérifie donc un peu. Tous les systèmes sont en panne. Ils sont tous sur zéro. Il y a un gros trafic maritime, ils vont nous récupérer. Convoyons des SOS. Ah oui, avec quoi?
gilet de sauvetage. Hein? Pourquoi? Où est-ce qu'on est, Mac? Oui, regarde bien. Pas de maison, pas de village, rien. Le désert. On va remonter le matériel tous ensemble. J'ai dit tous ensemble. Mais pourquoi? Et puis nous allons nous mettre en route. Dans quelle direction? Bien vers le nord. Là, pourquoi vers le nord? Allons, relevez-vous, tous les deux. Préparez-vous au départ. On ne bouge pas d'ici. À quoi ça rime d'aller se traîner dans ce bled? Et à quoi ça rimerait de rester ici? Jusqu'où penses-tu qu'on pourra marcher? Moi, je ne bougerai pas. Nous ne survivrons que si nous en avons la volonté. Beaucoup de confiance en nous et du courage. Il faut surmonter la fatigue. Celui qui abandonne est perdu. Dominer la situation, c'est ça? Ne jamais cesser de dominer par elle, hein? Première leçon de l'entraînement de survie. Et foutu théorie. Je pars vers le nord. Qui vient avec moi? Même tout seul, je pars. Et même sans eau? Merci. J'en ai. C'est insuffisant, Mac. À peine pour une demi-journée. Je vous enverrai un taxi dès que j'arriverai. Ils apportent de l'eau. Nous n'en avons plus. Nous allons longer la côte et dessaler l'eau de mer. Avec la tente en plastique, pas de problème. Oh non, pas de problème. Où est Don?
nuit vient, il fait plus frais. Où est Don? Il ne vient pas. Il est resté là-bas. Seul. Mais il a de l'eau et des vivres. Pour un jour, c'est tout. Pour deux jours, ou même trois. Bon, allez, on continue. Il faut l'attendre. Il ne viendra pas! Alors il faut que la nourriture tourne. Nous avons mis 10 heures pour arriver jusqu'ici. Il faut l'attendre. Don ne viendra pas. Il n'y arrivera pas. Perdus. 14 hommes. Il n'a pas voulu de nous. Pourquoi? Donne. Donne. Eh ben. Mac. Tu as raison, nous sommes les plus grands. Mac, est-ce que tu déménages ou quoi? Il doit y avoir des êtres humains ici. Quelque part, cette planète est sûrement habitée. Épargne les munitions jusqu'à ce que tu en aies la preuve. Il me reste encore 4 coups.
arrêter le test. Vous ne pourrez jamais tenir 14 heures, ça suffit comme ça. Vous êtes peut-être un excellent scientifique, mais comme astronaute... De l'eau. Allez, remettez-vous. Ce n'est qu'un test. Ça n'est qu'un test. Un test. Ça n'est qu'un test. Ah, oui, remets-toi, remets-toi. Tiens, bois. Bois, petite gorgée. Tu es complètement déshydraté avec cette chaleur. Oh, bon, allez, ça suffit, la piqûre. Non, laisse ça. Donne. Et enfin, qu'est-ce qui te prend? Reviens ici. D'accord, on continue. Le sel et le soleil vont te ronger la peau. Après 4 ans d'obscurité. De soleil, 10 litres. Seulement, ils nous en font 20. En tout, 5 hommes et 4 litres par homme et par jour. C'est un minimum dans le désert. On arrive à la moitié. Nous nous restreindrons. Et comment, avec cette chaleur? Nous resterons à l'ombre pendant la journée. Nous recueillerons l'eau et nous marcherons la nuit. Mac, je te demande de réfléchir. Nous sommes 5. Et nous avons de l'eau pour 3. Qui seront les 3? Tu ne digéreras pas les protéines, Don, si tu ne bois pas beaucoup d'eau. C'est pourquoi je vais boire. Oui, mais nous en avons trop peu. Ne bois pas, ne mange pas. Ne va pas au soleil, ni dans l'eau. Tu sais tout avec tant de précision, commandant McKerrow. Alors pourquoi, commandant, sommes-nous avec autant de précision dans la merde ? Don? Oui, ne jamais abandonner, tenir bon, rester en condition, c'est ce qui compte. Je ne suis pas en condition. Non, j'ai peur. Ça n'est qu'une question de confiance en soi et de discipline. Tu m'emmerdes, commandant McKerrow. École de guerre, pilote d'essai, mise en congé pour incorporation exceptionnelle dans la mission pour la paix, fonctionne comme un ordinateur, quoi qu'il arrive. Tu me sors par les yeux. Parce que tu ne veux pas admettre que tu as la trouille tout autant que moi. D'accord.
Bien sûr. Un peu d'indulgence pour les dingues. Maîtrise de soi. Plus que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce bled? Où sont les habitants? Hein? Ils doivent se cacher. Je parie qu'ils nous prennent pour des petits hommes verts descendus de Jupiter. Espagnol. Mexicain. Il date de 5 ans. Mais vous attendiez à quoi? Vous pensiez qu'ils allaient venir avec des drapeaux et des guirlandes? Que les enfants nous jetteraient des fleurs en chantant? On se célèbre grâce à la télévision? Par transmission du départ. Regardez-vous donc dans une glace. 5 vieux bons hommes. Tout juste bon pour la retraite. Nous allons nous séparer pour chercher de l'eau et des vivres.
De l'eau! Si c'est vrai, je lui pardonnerai beaucoup de choses. Venez! Trouble. Le sable. La citerne était restée ouverte. Dévisse le bidon. Arrête! Ça sent le poisson pourri. Le varec ou les algues. Non. Ce village abandonné, pas une fontaine, seulement cette citerne. Nous sommes trop vulnérables. Donne les comprimés. Désinfectants d'eau potable, ils sont dans la pharmacie. Non, il n'y en a plus. Et on ne s'en est jamais servi. Cette boîte. Donne ça. Non. Donne-moi cette boîte. Non. 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 Donnez l'ordre que tout reste à bord. C'est la seule preuve de vie qui existe sur Ganymède. Il a entendu mes ordres. Quatre ans et demi et deux hommes morts. Je n'aurais jamais quitté le bord sans les emporter. Alors, tu voulais boire. Eh bien, bois. Bois! Allez, avale! Ugh.
SOS, Robert appelle base Ganymède 2. Robert à base Ganymède 2, répondez. Terminé. Ici base Ganymède 2. Je vous écoute, à vous. Ici Don. Kambala et Chuganov ont fait une chute. Ils sont morts. Bien compris. Ça mène quelque part. C'est peut-être la route de San Diego. Il faut la suivre. Il faut la suivre, on est sauvés.
Mais c'est complètement dingue. Mais c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Village abandonné, cette route, maintenant cette épave ici. Pourquoi ? Le hasard. Non, pas le hasard. Plus loin au nord, à la frontière, la population est très dense. On verra bien. Peut-être. On verra bien. Quoi ? Abandonnés. Les villages, les routes, tout le monde s'est enfui. Qu'est-ce que tu crois ? La peau brûlée. Ici. Avec des cloques rouges. Des loques. À cause du soleil, idiot, sinon quoi d'autre ? Possible. Sinon quoi d'autre ? Nous étions à Londres pendant le jour. Nous avancions pendant la nuit. Et malgré ça, ça empire. En 4 ans, on est des lampes. Nous marchons vers le nord, en direction de la frontière. Et ça empire. Des retombées. La radioactivité, tu penses à ça ? Peut-être. Je ne sais pas. Et tu y crois ? Je ne peux rien prouver. Ouais. Et le contraire non plus, d'ailleurs. Mais tu vas nous rendre hystériques. Des radiations. Venant d'où ? Hein ? Depuis l'atomique qui aurait sauté à San Diego. Ou n'importe où en Californie. Jolie idée, non ? Nous allons tous crever, petit feu. Un vêtement de protection. De toute façon, ce serait déjà trop tard. Nous traînons au milieu d'une zone infectée, irradiée. Mais à la sac, tu penses ? Tu penses, non ? La guerre atomique. Notre pays irradié, détruit ! Cochon ! Abominable cochon ! Qui a fait ça ? Qui ? Fous le camp ! Thank you.
voulez. Non, Mac. Non, 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 non. Steve! Steve! Nous sommes de retour, Don. Tu vois. Tu vas mettre en route ce putain d'oiseau. Le faire décoller. Et ensuite, avec lui, tu voleras jusque chez toi. Tu y arriveras, Don. Tu y arriveras. Nous sommes pourtant les plus grands. Un Don.
C'est vrai, Mac. C'est vrai. De détresse. D'épuisement, mort de soif, fusillé, assommé, irradié dans l'atmosphère de Jupiter. Seulement la vie n'est pas un phénomène exceptionnel. Quel a été le plus grand moment de la mission ? Le départ. Nous avions le sentiment d'accomplir quelque chose d'épique. Ferez-vous d'autres vols comme astronaute ? Mon travail est terminé. Les éprouvettes remplies dans le cratère que voici. Et quels ont été vos moments les plus pénibles ? Les 10 premiers mois. La Terre s'éloigne et on compte les heures. Ensuite, c'est la bascule derrière Jupiter. Tous les systèmes se sont arrêtés, la magnétosphère était plus forte qu'on s'y attendait. Non, vous n'aviez pas de femme à bord. Avez-vous eu des rapports homosexuels ? Non, non. Et pourquoi pas ? Vraiment, la situation ne s'y prêtait pas. Qu'avez-vous fait pour remédier aux besoins sexuels ? Non. Prenions des pilules. Je voudrais de l'eau. Je sais. Ça fait partie du test. Le test. Oui, promettez-vous. C'est simplement un test. De l'eau. De l'eau à boire. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Et je vous dirai tout ce que vous voulez. De l'eau.